Bernard Montiel généreux. J'avais acheté une. Ce geste magnifique pour une personne chère à ses yeux. Cyril Hanouna a évoqué l'affaire. Ce lundi 17 avril. S'il achète des biens au nom de sa mère, c'est à elle que ça appartient, non? A demandé Raymond Abou. Un cadeau, tu peux le faire, a débuté Bernard Montiel avant d'ajouter, mais pas une donation. Un sujet que le chroniqueur connaît très bien. Moi, j'avais acheté une maison à ma mère, à l'époque où j'avais des sous, a-t-il déclaré. Bernard Montiel était d'humeur généreuse et il a souhaité évoquer ce cadeau, qui lui était très cher à ses yeux. En effet, le chroniqueur précise. Elle a toujours vécu en appartement, je voulais qu'elle ait une maison avec un jardin, s'est-il souvenu. Pour s'assurer que sa mère soit confortable mais aussi qu'elle n'ait rien à payer, Bernard Montiel a révélé avoir tout payé. J'ai acheté à mon nom, pour lui éviter de payer des taxes d'habitation, déclare-t-il avant de préciser. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait aucune rentrée à ce moment-là donc j'ai payé les taxes d'habitation et tout le reste. Un cadeau qui était important pour lui et qui a permis à sa mère de profiter. Pour rappel, cette dernière est décédée des suites de la maladie d'Alzheimer. Dans les colonnes de Ici Paris en 2020, Bernard Montiel avait évoqué les derniers moments de sa mère. Elle me demandait de ses propres nouvelles et ne me reconnaissait plus, avait-il confié. Les derniers temps ont vraiment été douloureux. Bernard Montiel, quand me détruisait. Bernard Montiel était proche de sa maman et la voir partir petit à petit a été très compliqué pour lui. La maladie d'Alzheimer est très difficile à vivre pour les proches, notamment puisqu'elle provoque des troubles de la mémoire, du comportement et une modification de la personnalité. C'était très triste d'aller le voir, ça me détruisait. Je n'avais plus en face de moi ma maman, mais une inconnue, avait confié Bernard Montiel. Pour surmonter sa peine suite à son décès, ce dernier s'est concentré sur sa vie professionnelle. Je me suis jeté dans le travail. Et je me dis aussi qu'elle est mieux maintenant, avait-il conclu. Des confidences bouleversantes qui mettent en avant la complicité entre Bernard Montiel et sa mère.